Et j'ai aussi des choses à vous dire. Mon level up en fait spirituel. Ça c'est le deuxième manteau. Je vais voir. Mets les mains dans les poches. Alors, je suis avec Destiny. On est en train d'essayer des manteaux. Ça, c'est le deuxième manteau. Un petit teddy bear. Tourne-toi. Mais je crois que c'est un peu grand. Hein. Regarde maman. Enlève les mains dans les poches. Tourne-toi. Hello les filles, donc là je suis sortie avec Destiny. On va dans une boutique à chaussures. Je pense que vous avez déjà montré la marque Edge of Innocence. Donc ils ont ouvert une boutique cet été. Je m'avais invité depuis, mais bon, j'ai pas pu partir. Donc là, on y va. Et voilà. Matcha. What do you think, Destiny? Et là, vous avez des... Attends, Destiny. Donc là, vous avez des chaussures pour les garçons. Oh, regardez ça. Oui, c'est really cute. Oh, c'est trop beau. Moi, j'ai pas de garçon. Are you okay? Montre-moi le sac un peu. What is your let's go grab some coffee outfit? This is mine. Comment allez-vous? Donc là ce matin, je suis allée faire un peu de marche. Un morning walk, je suis avec Destiny. Et là je suis venue à Dieu and Juice. Je voulais prendre un jus que je pouvais faire à la maison, mais bon. Voilà, je vais prendre quelques légumes, après on va rentrer. Et parce que la dernière fois je vous ai pris, mais après je vous ai plus repris quand je suis rentrée des petites courses que j'avais à faire. Donc dès que je rentre, je vais me préparer et tout. Et je ferai le rôle et tout ça. Is it good or the one that mommy does is better? Mm-hmm.
Aujourd'hui, Sunday brunch. Donc là, nous avons des croque-monsieur à la truffe. Qui commence par goûter? Attends, Ilona dit bonjour déjà. Destiny, say hello. Nettoie un peu ta bouche. Non mais, ah, franchement, that's not funny. Qui commence? Non, oui. Ok. Ok, Ilona, vas-y. It's cheese, Destiny. Non, mais... C'est comment? It's good. Is it good? Yeah. C'est délicieux? C'est ça? Le champignon. Mmh, les truffes. C'est bon, non? C'est bon, mais il fallait que le fromage soit un peu plus fondu. J'ai pris un cabillaud. Il y a du cabillaud, il y a aussi un peu de crevettes, si je ne me trompe pas, avec un chou-fleur au fromage. Ilona a pris une purée de pommes de terre. La sauce, tu goûtes pas? Il y a du sel? Il y a du goût? Ilona a pris un sac ribeye, avec une purée de pommes de terre. Et Destiny a pris des frites avec du poisson. Elle est pas bonne la sauce? C'est pas vrai? Mais le sel alors? Ah, moi, mon poisson est bon. Hein. T'as pris quoi comme sauce? Oui. Ok, donc là nous avons fini de manger, on va rentrer. En fait, Ilona m'avait invité aujourd'hui pour un Sunday brunch. J'ai un peu filmé vite fait. Oh, ah, ils ont mis de la colle sur les bougies. Ils ont mis la colle sur les bougies, ça veut dire que les gens ont volé. Parce que quand on était venu, il n'y avait pas de colle sur les bougies. Ah, yeah, it's much better now. I like the hair. Donc, voilà. Donc là, quand je vais rentrer, je vais vous faire le haul. J'ai un grand haul à faire. Mon grand haul, c'est un peu exagéré, mais j'ai des petits trucs à partager. Et j'ai aussi des choses à vous dire. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis habillée tout en Zara, sauf la veste. Pull Zara, à manche semi-courte, on va dire. Leggings Zara. La veste, c'est une Cerruti. J'ai mis mes... elles sont un peu sales. J'ai mis mes mocassins de chez Scarosso. Faut que je les nettoie. Et j'ai mis mon sac Teddy Blake aujourd'hui. Voilà. Ok les filles, donc là, ça y est, je suis rentrée. Ok, donc là, en fait, c'est le fouillis, ma vidéo. Donc là, je suis dans ma douche. Je dois me démaquiller. Et... il fallait que je vous montre les produits, les derniers produits que j'ai achetés. Et je voulais vous montrer aussi des produits que j'ai testés, comment je les trouve et tout, bref. Donc du coup, c'est un peu fouillé. La base de cette vidéo, à la base, c'était... J'allais vous parler, en fait,
de mon level up en fait spirituel, les choses que j'ai envie de faire, les choses que je vais faire. C'est un peu étrange de parler de ce genre de choses, je trouve. Oh là là, j'ai mal à la poitrine. C'est un peu étrange de parler de ce genre de choses, mais dans la douche comme ça. Si la lumière s'arrête, je vais plus en mettre. Je vais pas la mettre parce que j'ai mis une petite, la petite lumière là pour éclairer. Donc voilà, donc là je suis rentrée et je voulais tout simplement vous dire en fait que j'avais prévu de faire une vidéo. Parce qu'en fait quand je fais des vidéos, je programme. J'essaie d'avoir un programme pour pas que ça parte dans tous les sens. Ça arrive des fois aussi que ça parte dans tous les sens. Donc normalement je devais vous faire une skincare routine. Je devais vous parler de mon level up spirituel. Vous montrer les derniers achats, les derniers produits que j'ai achetés. Voilà. Donc là je suis dans la douche, ça y est, assez tard. Bon, je vais allumer ma petite bougie en fait, juste pour. Je viens de souffler dessus. Génial. Je vais allumer ma bougie juste pour avoir un peu d'ambiance dans la douche. Le truc, c'est que j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne où je suis tout le temps en train de me plaindre, où je suis tout le temps en train de vous dire je me sens comme ci, je me sens comme ça. Mais ces derniers temps, je me suis pas sentie bien du tout. Demain j'ai rendez-vous à l'hôpital, donc pour chez le médecin. Même là où je vous parle, j'ai mal à la poitrine, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pas envie que ma chaîne soit comme ça. Je veux que ma chaîne, bah voilà, ça s'est éteint. Je veux que ma chaîne reste dans la même voilà, la même optique. Donc du coup là je vais me démaquiller. Mais avant que je me démaquille, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Donc il y a une de vous, je pense, qui m'a conseillé d'acheter le déodorant anti-transpirant 48 heures de chez Vichy, parce que je vous avais montré l'autre avec le bouchon vert qui est fini et qui est juste magnifique. Je trouve que c'est un super super produit, mais je mettrai le lien en bas. Je vous assure que ça vous aide à moins transpirer, ne pas avoir d'odeur ou quoi que ce soit. C'est bon, pas avoir d'odeur, il faut vous laver bien sûr, avoir une bonne hygiène, mais il est juste il est juste trop bien ce déodorant, voilà. Donc voilà, donc j'ai aussi acheté ça, coup de cœur, hein, coup de cœur, j'adore, j'aime beaucoup plutôt. Ensuite j'ai acheté le, c'est pas ça que je voulais acheter, je voulais acheter en fait le balm, la baume en fait pour les pieds de chez Aquaphor, et j'ai acheté en fait ça, mais tout le monde jure par ce produit là. Enfin quand je dis tout le monde, c'est les personnes qui ont vraiment des peaux très 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 sèches. Et ce qui est bien en fait, vous pouvez l'utiliser sur votre visage, sur vos lèvres, sur vos coudes, si c'est trop rugueux, sur vos pieds. Mais c'est pas ce produit là que je voulais acheter. Je voulais acheter un autre produit juste pour les pieds. Mais ça actuellement je l'utilise, c'est bien. Bon, si vous avez vraiment la peau vraiment très très sèche, qui pèle, voilà, qui fait un peu comment on appelle ça, Crack skin. C'est le produit Eucérine Aquaphor Soothing Skin Balm. Voilà. Voilà. J'ai acheté ça. Et quand je suis sortie avec Destiny, j'étais partie à Harrods ensuite parce que j'avais plus de gloss en fait de chez Dior. Et il y avait énormément de monde parce qu'en fait, de jeudi jusqu'à dimanche, ils faisaient en fait 10 à 15 à 20% de réduction sur les produits de beauté. Après, je sais pas si pour les autres articles. Donc, il y avait énormément du monde chez Dior. Et je voulais en fait acheter le rouge à lèvres Guerlain, qui est une super belle idée en plus de cadeau. Si vous voulez offrir quelque chose de luxe, mais pas dépenser plus de 100 livres. Donc, c'est le rouge à lèvres qui vient avec un étui personnalisable. Et malheureusement, il était en rupture de stock. Je vous mettrai le lien en bas parce qu'il est en stock sur Look Fantastic. Et j'avais déjà entendu parler en fait du gloss, pas du gloss, de l'huile pour les lèvres de chez Guerlain. Donc je me suis dit, ah, comme je suis là, je vais tester. Et j'ai testé et j'ai adoré. Franchement, la sensation sur les lèvres et le rendu que ça fait sur la lèvre, on en parle. J'ai pris la teinte rose glow. Et il y a une autre teinte aussi transparente comme ça, qui est un peu plus un genre de rouge, mais pas vraiment rouge en fait, transparent. Mais celle-là, elle est super bien. Je trouve que c'est bien parce que ça laisse un peu les lèvres un peu roses. Et je pense que c'est peut-être moins cher que
Que Dior. Mais je vous mettrai le lien en bas. Et en plus, vous avez ça sur le Fantastique qui fait actuellement une promotion. Donc, essayez de jeter un coup d'œil dessus. Donc, voilà. Donc, j'étais impressionnée. Et malheureusement, le rouge à lèvres, il ne l'avait pas. Le rouge à lèvres que je voulais, il ne l'avait pas. Parce que j'ai pris le temps de tester. Puisque bah, mon rouge à lèvres que j'utilise tous les jours, celui-là de chez Charlotte Tilbury, touche à sa fin. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter un nouveau rouge à lèvres. Et je vais prendre l'étui. Mais le rouge à lèvres était hors de stock. Et l'étui était out of stock, en rupture de stock en fait, pardon. Donc du coup, j'ai dû l'acheter en ligne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'étais chez Primark aussi, j'ai pris un pyjama. J'ai pris des pyjamas. Et j'ai aussi reçu ce produit. En fait, j'ai reçu d'autres produits que je dois vous montrer, mais je crois que je montrerai les autres produits dans une autre vidéo. Bref. Donc là, ça, c'est le sérum éclaircissant concentré de chez 456 Skin, dont je vous avais parlé, là où j'étais partie à l'événement dernièrement, enfin le mois passé. Et je vous avais dit qu'ils avaient en fait des produits, d'autres produits. Et ça, c'est le sérum en fait, qui est supposé en fait enlever les taches. Donc je vais l'incorporer tout doucement dans ma routine, parce que j'essaie en fait de faire doucement maintenant avec les produits skincare, parce que sinon après ma peau elle réagit pas trop bien. Donc voilà, et voilà, c'est une odeur assez plaisante, ça colle pas, on dirait un peu de l'eau en fait, le sérum là. Voilà, ça colle pas du tout, c'est magnifique. Donc j'ai reçu aussi ça. Je dois même faire une vidéo avec. Donc du coup là je vais me démaquiller. Et pour me démaquiller, je vais utiliser ce Bean Cleansing Oil. Donc là ce qu'on va faire, je vais me démaquiller, mais je vais enlever ma perruque, je vais mettre mon chapeau pour me démaquiller. Et c'est trop bien, il est trop bien ce démaquillant pour le visage. Donc aujourd'hui je me suis maquillée, j'ai pas fait quelque chose de dingue en fait, je me suis maquillée vraiment à la vite fait. Donc je vais utiliser ça, donc c'est le Mixoon Beans Cleansing Oil, magnifique, il est super bien pour enlever le maquillage. Voilà, et après je vais utiliser mon Soy Face. Je retourne toujours vers ça si j'ai des problèmes de peau, parce que je trouve que c'est assez doux pour la peau. Ça fait des années que je vous parle de ce Soy Face, ce nettoyant pour le visage. Donc voilà, donc ensuite je vais utiliser ça. Et comme c'est le soir, j'essaie d'être vraiment d'aller moulo, donc j'utilise un peu d'essence. Donc là ce soir, ce que je vais faire un peu d'essence. Ça, je viens de le réinstaurer dans ma routine. Je jongle entre ça, donc l'intensive essence lotion capture totale de chez Dior, et le Mixoon Centella Asiatica. Donc voilà, donc vraiment je fais très attention actuellement avec ce que j'utilise sur ma peau. Et les pads avec à base de lait, ils sont juste magnifiques. Je les utilise le soir, je les laisse sur mon visage, après je nettoie tout mon visage et je dors, je mets rien d'autre. Donc voilà, donc du coup là on va se démaquiller. Je dis que je vais enlever ma perruque, mais est-ce que je vais vraiment enlever la perruque? Donc voilà, donc c'est très important quand vous vous démaquillez d'utiliser une huile pour le visage et l'utiliser. Voilà, prenez votre temps quand vous massez et tout. Ah, je voulais. Prenez votre temps quand vous massez pour que ça. Voilà, que ça vraiment ça nettoie bien votre visage, quoi. Il n'y a pas d'odeur. J'ai dit que j'allais mettre mon chapeau, j'ai pas mis le chapeau. Il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, donc moi c'est comme ça que je fais. Hein. Vraiment. Je fais que des mouvements circulaires et après je vais venir ajouter en fait l'eau sur mes mains pour que ça commence à faire cette mousse émulsifiante. Voilà, donc prenez vraiment votre temps de bien faire ces mouvements circulaires pour enlever ben, tout votre make-up, quoi. Voilà, et après mettre votre nettoyant pour le visage. Voilà, il faut faire un double cleansing, c'est important. Voilà, donc là j'ai mis de l'eau sur mes mains
je reviens encore refaire des mouvements circulaires en fait. Donc vous voyez, ça fait un peu mousse. Donc voilà, donc je vous disais qu'en fait, moi j'ai envie de commencer à faire ce que j'ai déjà commencé. Être beaucoup plus dans la spiritualité, les filles, parce que avec tout ce qui m'est arrivé là, j'en ai besoin. Parce que sinon, je restais à être anxieuse tout le temps et c'est pas très bien pour mon mental et tout ça. Donc j'ai même approché déjà des thérapeutes en fait. Et je vais commencer à faire ça. Et vraiment, j'ai envie d'être plus. Comment on appelle ça? Essayer de ne plus me découvrir en fait. Essayer de ne plus me découvrir, mais beaucoup plus en profondeur. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire vraiment. Là, j'ai pas. Si je pouvais, j'allais tout simplement me déconnecter de tout. Mais voilà, les réseaux sociaux, je dois me connecter parce que. Voilà, je travaille quoi. Donc, je peux pas vraiment me déconnecter. Vraiment, là actuellement, même chez moi, j'ai fait un désencombrement. Je commence en faire un ménage, un nettoyage spirituel, un nettoyage chez moi, partout. Voilà. Donc, c'est ça dont je voulais vous parler. Et je sais pas si j'en parle, si s'il y a d'autres personnes aussi qui me regardent, qui y pensent. Allez-y, les filles. C'est important. Et de nettoyage. Et là, maintenant, je vais mettre mon savon. Et je vais nettoyer mon visage. Donc voilà. Donc j'en ai vraiment besoin. Je vais pas dire que je suis perdue, mais. Aujourd'hui, je suis plus confiante. Mais il y a quelques jours. Voilà. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'étais vraiment dans le. Dans l'angoisse. Voilà, donc c'est important que je fasse ça. Et voilà, maintenant je lis beaucoup plus la Bible. J'essaie d'être plus proche de Dieu en fait. Voilà, essayer de commencer à faire des trucs qui vont me faire du bien en fait à l'intérieur de moi. Des choses qui sont passées depuis. Et je pense que j'ai pas encore. Bien guéri en fait. Donc ça prend du temps de guérir. Donc franchement, physiquement, j'aimerais bien faire. Attendez, je nettoie mon visage. Ça y est, mon visage est propre. Par contre, je vous ai dit que j'allais faire. Pardon, l'essence. Ça, ce que je vais faire. Mais je vais faire mes patchs là. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça pour ce soir. Donc voilà, donc je vous disais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. J'ai eu beaucoup de coups durs. Voilà, notamment le décès de ma maman. Et ça m'a beaucoup affecté en fait moralement, mentalement. Et après, ben, mon état de santé aussi, c'était pas. Ça m'a pris par surprise en fait l'incident que j'ai eu. Et je pense que vraiment il faut vraiment que je prenne soin de moi en fait. Donc voilà, pas juste tout ce qui est skincare c'est déjà bien, mais j'ai envie d'aller dans le profond. Parce que même moi je vous ai toujours dit oui, allez, faites de la thérapie. Et ben depuis j'ai repoussé et voilà, et c'est temps que je fasse de la thérapie. Et il y a d'autres choses que j'aimerais faire aussi, voilà, que je vais pas vous en parler là maintenant. Mais je me dis, voilà, c'est important en fait que je partage ça avec vous. Et j'espère que si je peux motiver d'autres personnes qui sont dans le doute, qui sont dans l'angoisse, qui sont. Voilà, essayez de faire un travail sur vous, essayez de vous rapprocher de. Si vous êtes spirituel, je ne sais pas qu'est-ce que vous croyez, en quoi vous croyez, quelles sont vos croyances. Mais c'est important. Parce que nous sommes là, nous avons tous un corps, mais on a un esprit, quoi. On a des énergies et les énergies là, ben, il faut savoir les protéger, on va dire. Donc voilà, donc c'est le soybean milk pad, c'est ça. C'est vraiment très très hydratant. Et je disais en plus hier dans mon Snapchat que le masque, justement, je vais le mettre là même ce soir,
mon masque LED. En fait, avant, quand je l'utilisais, je mettais sur une peau en fait propre. Je mettais aucun produit. Mais en fait, il faut mettre vos produits. Enfin, pas tous vos produits, mais genre sérum, essence et tout. Et après, maintenant, vous mettez votre masque. Mais la différence que ça fait, on dirait que ça aide en fait à ce que... Comment on appelle ça? Ça fait un truc en fait sur votre peau. Un glow de ouf et ça resserre les pores et tout. Ça lisse le grain de la peau. C'est juste impeccable. Donc voilà, normalement j'avais pas prévu de filmer la vidéo là comme ça, je voulais être assise, vous en parler et tout. Et la vidéo n'est pas finie parce qu'en fait je dois aussi vous montrer les chaussures que j'ai choisies pour Destiny à la boutique. Voilà, je sais pas, peut-être que la vidéo elle est finie en fait et je ferai une autre vidéo. Donc là c'est une nouvelle semaine, demain j'avais décidé normalement de partir à la gym mais je sais pas si je dois y aller ou pas. Mais je voulais commencer juste à faire un peu de cardio en fait. C'est vrai que j'ai repris un peu la marche, mais il y a des moments en fait je me sens bien, il y a des moments où je me sens pas du tout bien. Comme la dernière fois je suis sortie, j'avais tellement mal aux pieds les filles. Oh là là, oh, c'était horrible. Je peinais même à marcher et tout mon côté gauche me faisait tellement mal. Même là maintenant, avant, bah, quand j'étais sortie de l'hôpital, j'arrivais pas à soulever mon bras. Et maintenant, bah, c'était passé et maintenant c'est revenu en fait. Donc c'est-à-dire que même Destiny quand elle était dans le magasin, elle était dans la boutique et tout, j'arrivais pas à lui enlever les bottes en fait parce que j'avais mal au bras. J'avais mal au bras. Enfin j'avais mal à la poitrine quoi. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire et partager. Voilà. Voilà. Regardez-le. Le glow. Et ça aussi, je vais mettre ça ce soir, parce que là c'est l'hiver qui approche, l'automne et tout. On va peut-être mettre nos petits pieds dehors, mais pas vraiment. Donc là c'est le moment de faire tout ce qui est peeling, les filles, sur les pieds et tout. Et râpez vos pieds les filles régulièrement, n'attendez pas d'aller au salon de manicure pour râper vos pieds. Achetez une pierre ponce et râpez vos pieds à la maison, c'est important. Parce que les pieds, on les maltraite. On les maltraite pas, mais on les utilise pratiquement tous les jours. Quoi. On marche beaucoup avec. Voilà. Je sais pas, je suis en train de filmer. J'ai pas de revers caméra. Je sais pas si j'ai trop mis ma tête devant moi. Donc voilà. Donc les filles, là, je suis dans un mood où j'ai envie de bien finir mon année, en fait. Voilà. J'ai pas envie d'être anxieux. J'ai pas envie d'être stressée. J'ai envie d'être apaisée, calme. Voilà, j'ai envie de finir mon année dans le calme et être apaisée. Voilà, donc voilà, il y a des choses qu'il faut mettre en place et il faut le faire. Et puis bon, voilà. Et là, j'ai jeté plein de trucs. Déjà, quand vous voulez commencer déjà même à faire un nettoyage, nettoyez même votre maison, les filles. Essayez de voir faire un désencombrement. C'est important que ce soit vos habits, vos chaussures, même votre cuisine, les trucs que vous n'utilisez plus, qui sont là, qui traînent, les anciennes casseroles, les anciennes cuillères pour faire votre foufou, les trucs en bois, les trucs en plastique, les trucs qui sont déjà capoutes, jetez ça. Voilà, on a besoin de rentrer dans la nouvelle année, dans la... Comment on dit, pas dans la sainteté, mais dans une bonne... comment dire même dans dans la propreté quoi en fait, on veut plus de saleté, c'est ça que je veux dire, oui, puisque c'est un nettoyage. Donc même vos enfants, les anciens jouets que vous avez, si vous avez des enfants, voilà, faites le tri. Si vous pouvez en donner, donnez-en. Si vous devez vous en débarrasser, débarrassez-vous des anciens jouets. Voilà. En tout cas les filles, merci beaucoup pour vos prières, votre soutien. Merci d'être patiente avec moi. Je poste plus trop sur Instagram, en story. Je suis sur Snap, mais mon nom c'est Dylan Beauty. Et
Je pense normalement ce mois-ci, si tout va bien, par la grâce de Dieu, je sais que tout ira bien de toute façon, parce que c'est lui qui est. Voilà. Et je ferai un vide dressing. Un vide dressing. Un vide dressing? Comment on dit en français? Je sais plus. Ouais, je vais vendre des affaires en story sur Insta. Et j'essaie de le poster sur Snap. Mais j'avais fait sur Snap et ça avait bien marché, donc je pense que je vais refaire sur. J'avais fait en story sur Instagram, donc je pense que je vais refaire sur Instagram. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Et je vais recommencer un nouveau vlog la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve. On sera lundi quand vous allez vous suivre cette vidéo. Donc on se retrouve normalement vendredi. Parce que je pense pas que je posterai mercredi. Bisous les filles, bye.